Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que, les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée FD News, votre chaîne d'information et d'actualité en temps réel. Burkina, lutte antiterroriste. Les populations comme pièce maîtresse. La population est la pièce maîtresse dans la guerre contre le terrorisme au Burkina Faso, selon l'expert de sécurité Mouamadou Sawadogo, qui prévient que, tant que nous n'avons pas réussi à basculer la population de notre côté, c'est peine perdue. Il s'exprimait le 27 août dernier au cours d'une conférence publique organisée sur la sécurité au Sahel. La guerre contre l'IB terroriste au Burkina Faso ne peut se gagner sans l'appui de la population. C'est une conviction de Mouamadou Sawadogo, chercheur et spécialiste dans les questions sécuritaires. Pour lui, cette population est la pièce maîtresse dans la guerre contre le terrorisme. Toutes les solutions sont gravées autour de la population. Si nous avons compris cela, nous allons savoir que c'est une guerre de cœur, de stratégie, et c'est cela qui va nous conduire à la victoire, a expliqué Mouamadou Sawadogo, qui animait un panel le 27 août dernier avec trois autres communicateurs au cours d'une conférence publique organisée à Ouagadougou sur la sécurité au Sahel. L'expert en sécurité a, par ailleurs, préconisé de faire basculer la population de notre côté, sans quoi c'est peine perdue, pour venir à bout des hommes armés qui créent la désolation et sèment la terreur dans leur zone d'influence. Le spécialiste bien averti des questions sécuritaires au Sahel est allé plus loin dans les analyses en faisant comprendre que les groupes terroristes ont vite perçu le rôle décisif des populations dans cette guerre, ce qui les a poussés à éliminer les facteurs de résilience endogène de ces populations afin de basculer de leur côté. Et bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informer est notre mission. Et bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Merci et bon visionnage à tous.